Alors, comment va ma petite fille Suzara? Maman, elle va bien. Nawao, sois la bienvenue. Merci, maman. Maman, j'espère qu'il y en a assez dans la marmite. Parce que je dois en apporter à ta petite fille. Teresa, il y en a plus qu'assez dans la marmite. Ok. Maman, la façon dont tu me regardes là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ma fille. Maman. Dis-moi la vérité. Comment se passent les choses où tu te trouves? Maman, les choses ne vont pas bien. Oh. Les choses ne vont pas bien là-bas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Madoka fait de son mieux pour mettre la nourriture sur notre table. Il fait quel mieux? Laisse-moi demander, qu'est-ce qu'il essaye? Hein? Maman. Maman, je ne suis pas venue ici pour les injures, pardon. N'insulte pas mon mari. Je suis juste venue pour te voir, maman. Kayinundogo. Hey! Dieu va punir quiconque a fait ça. Dieu va punir cette personne. Maman, personne n'a rien fait. Tu ferais mieux de manger. Sinon, je vais finir la nourriture qu'il y a dans ce plat. Jésus, oh, mon seul enfant, protège-la, Seigneur, protège-la, oh, mon seul enfant, Jésus, Seigneur, protège-la, oh, Seigneur, Jésus, Jésus, pardon, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Hey. Vas-y, Madoka, vas-y rapidement. Vas-y, vas-y rapidement. Hey. Je suis finie. Hey. Hey, Seigneur, mon seul enfant. Hey. Hey. Dieu merci, rien n'est arrivé à Chizara, ma petite fille. Tu as raison, maman. Qui sait ce qui lui serait arrivé? Le pire est passé. Elle ira bien. Hein, mon fils? Elle ira bien. Au moins, je fais gagner. On est niqué, c'est mon médénanka. Maman, elle aurait pu mourir. Ma seule fille aurait pu mourir. Et ça aurait été de ma faute. Bah non, mais elle n'est pas morte. En plus, ce n'est pas de ta faute. Nous savons tout ça qui revient à la faute. Si j'avais donné à Teresa l'argent qu'elle m'avait demandé pour l'amener à l'hôpital, lorsqu'elle a réalisé ce matin que sa température avait augmenté, tout ceci ne serait arrivé. Mais grand frère, ce n'est pas de ta faute, non? Hein? Tu n'avais pas l'argent sur toi. Où tu l'avais? Non, non, je comptais prendre de l'argent chez M. Boniface à la fin du travail, aujourd'hui. Alors tu vois, pourquoi est-ce que tu t'en veux? Ma nièce ira bien. Elle, rien ne va lui arriver. Elle ira bien, Tchelo quoi? Prendre l'argent chez Boniface. Odikogo kole ne chi collecte. Depuis que certaines personnes sont entrées dans cette famille, tout ce que tu as fait, c'est prêter, prêter, prêter. Ah! Ne quoi? Ne quoi qu'elle a talonway? Qu'est-ce que tu fais? Nami Eki, bien, bien, tu fais du bruit, tu fais du bruit. Je ne veux plus entendre ça. Pardon. Va pleurer là-bas derrière. Va pleurer derrière. Très jolie fille. T'es une bombe, vraie toi. Bombe, tu le sais. Comment est-ce que je peux m'occuper de toi? Comment? Dis-lui qui je suis. Je te présente mon président. Ouais. Personne ne peut lui faire face.
Dis-moi comment je peux m'occuper de toi. J'ai de l'argent, je veux prendre soin de toi, tu vois. Monsieur Boniface. Monsieur Boniface. Oui? Bonjour, monsieur. Comment puis-je t'aider? Je suis venu vous voir parce que il y a quelque chose qui me dérange. C'est pourquoi je suis là. Madoka ou peu importe comment on t'appelle, y a-t-il un moment où tu n'as pas quelque chose qui te dérange? Monsieur, ce n'est pas comme ça. C'est juste que ma fille, mon unique fille, est très malade. Je me disais que vous pouvez me donner l'argent sur le travail que j'ai fait. Comme ça, je pourrais l'amener à l'hôpital. Tu dis que je dois te payer? Oui, monsieur. Non, mais tu as perdu la tête? Pardon? Tu es bien la personne qui a brisé hier mes parpaings, si je ne m'abuse. Monsieur, en fait... Oh, tu croyais que je n'allais pas le découvrir, n'est-ce pas? Si tu ne le sais pas, l'argent que j'avais prévu de te donner, je l'ai utilisé pour remplacer ces parpaings. Monsieur, mais monsieur, pourquoi avez-vous fait cela? C'est juste pour deux parpaings. Vous n'allez pas quand même retenir mon salaire à cause de deux parpaings, hein? Je rêve ou tu me questionnes? Tu n'aimes plus du tout ton travail. Mais monsieur Boniface, vous êtes juste insensible et méchant. Je viens de vous expliquer ma situation et ça ne vous dérange même pas. Tu oses me parler comme ça? Monsieur. Il est évident que ce travail ne t'intéresse plus. Je crois que tu ne veux plus travailler avec nous. Que voulez-vous dire par là, monsieur? Tu me demandes ce que je suis en train de dire? Je veux dire que tu es viré. Viré? Tu n'écoutes pas ce qu'il est en train de te dire actuellement. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Monsieur. Il vient de dire que tu ne travailles plus ici. Tu peux t'en aller maintenant. Vas-y, monsieur, allez. S'il vous plaît. Monsieur, mais pourquoi monsieur, s'il tu demandes pardon ça, pourquoi s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Tu es sourd ou quoi? Va-t'en, ne reviens plus ici. Monsieur, non, tu... s'il vous plaît. Allez, dégage de là. Combien est-ce que t'as eu? Dégage de là. D'où est-ce que tu connais cet homme? Il n'est que mon employé. Ah, il voit des gens et il ne les respecte pas. Allez, buvons, s'il vous plaît. Ah, jolie demoiselle. Je suis désolé pour ça. S'il te plaît, vas-y, bois. Hey, si tu vois mon copain, il s'appelle Bala. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas l'aimer. Qui est Kessi? S'il te plaît, dégage. C'est qui? Je ne vois pas de qui tu parles. Je t'ai dit de dégager avec ça. Dégage. Mon cœur. Mon mari. Ah, pourquoi ton visage est comme ça? Grand frère, tu es de retour? Mon cœur, il ne t'a plus donné l'argent. Grand frère, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, comment ça s'est passé? Seigneur, est-ce que tout va bien? Je suis là, je ne sais même pas ce qui se passe. Hey, et il ne répond à personne. Mais grand frère, parle-nous. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous. Je viens de perdre mon travail. Hey! 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 C'est amusant. C'est très monsieur amusant. Monsieur Boniface m'a viré et il a refusé de me payer l'argent qu'il me devait. Notre seule source de revenus. Dieu va punir cet homme. Dieu va le juger. Il ne connaîtra jamais le bonheur. Dieu va punir cet homme. Mon Dieu va le punir. Je suis fini. Ma fille, tu es rentrée? Où est ta sœur? Elle arrive. Maman, la nourriture n'est pas encore prête. J'ai faim. Sois patiente. D'accord, ma fille. La nourriture sera bientôt prête. D'accord, maman. Hé, maman. La situation de grand frère est très grave. Ma fille, qu'est-ce que je peux dire? Hein? Il n'y a rien à dire. Il a pris il sa a décision. Il a gardé de l'argent pour nous envoyer à l'université. Tout, ce n'est pas du tout juste. Ce tout ira juste. Bien. Tout ira bien. Dieu au contrôle. Tu m'écoutes? Où est Teresa? Celle-là? J'ai averti ton frère de ne pas l'épouser.
mais il s'est aventuré à l'épouser. Eh bien, il s'en fout. Au boulot. Au Bria. Ah, maman. Depuis que grand frère a épousé cette fille, les choses vont de mal en pis. Bad luck. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux rien dire, non? Il a fait son choix. Maman, ça, ce sont tes affaires. Moi, j'ai vraiment très faim. Eh oh. Maman va regarder si la nourriture est prête pour que je puisse manger. Qu'est-ce que tu as dit? Va regarder si la nourriture est prête. Bon, yala. Laisse-moi voir tes mains. À moi, Fenyei. Madame, va là-dedans regarder. Tu m'envoies regarder. Maman, je suis allée. Sangéné. Toi, va regarder la nourriture. Itchikongoli, fallait. Allez, va regarder la nourriture. Oh, ce n'est pas ce que tu as dit quand je suis allée puiser de l'eau. Tu es allée puiser de l'eau. À moyen que tu m'aimes avec Teresa. Teresa. Hein? Maman. Bonjour, maman. T'es silencieuse depuis que t'es rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Maman. Les choses vont très mal. Les choses vont de plus en plus mal, maman. Les choses vont de plus en plus mal dans ma maison. Oh. Ah, ah. C'est encore quoi, ça? Tu parles de quoi? De mal en pis? Oui, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, est-ce que tu peux croire que Maduka a perdu son petit travail? Et c'est la seule source de revenus dans la maison. Eh bois. Je l'avais dit. Tu vois? Hey! Teresa, Teresa. Ton père et moi t'avons prévenu lorsque tu voulais épouser ce bon arrière. Et tu as refusé. Où en sommes-nous? Maman. Je ne suis pas venue ici pour que tu rabaisses mon mari, mais plutôt pour avoir le soutien de ma mère. Ah. Écoute, si je ne te dis pas la vérité, personne ne le fera. Maduka n'a rien d'autre que une mauvaise nouvelle. Maman, Ah, c'est parce que je suis venue ici? On dirait que venir ici était une erreur, maman. Que j'ai dit qui te met en colère? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Que tu le veuilles ou non, je te dirai toujours ce que j'ai dans la tête. Un être idiot qui ne peut même pas conserver un travail. Amanda, comment tu vas? Quoi de neuf? Où est-ce que tu es jolie comme ça? Hein? Où est-ce que tu vas? Hey, ma chère, il y a un nouveau gars en ville. Et il a dit qu'il veut gâter une belle fille comme moi. Ah, donc, laisse-moi aller l'aider à dépenser son argent. T'es si tu es une mauvaise personne. Ah. Donc, il y a du shopping gratuit dans ce village et tu ne t'es même pas gênée à m'appeler. Oh. Pourquoi? Désolée, tu ne peux pas comprendre. Beaucoup de choses se passent. Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu penses à ça? À cause de ce qui est arrivé à grand frère, non. Je ne veux... Tu comprends? Donc parce que Maduka a perdu son travail, je dois rester à la maison nettoyer? Moi, je ne peux pas faire ça. C'est bon. Je ne peux pas faire ça. Ok, ok. C'est bon. Il ne se fait pas tard. Tu peux me rejoindre si tu le veux. Laisse-moi rentrer et on va changer. T'inquiète pas. Tu es belle comme ça. Comme ça? Bien sûr. Tu es vraiment très belle comme ça. Si tu veux venir, bien. Partons comme ça. Sinon, non, tu peux rentrer à la maison. Tu me menaces? Bien sûr que je te menace. Allons-y. Mon mari,
Bienvenue. Merci, Teresa. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien. Mon mari, comment ça s'est passé? Pas de chance. Hé, hey, Seigneur. Mais bon, oui, demain, je sortirai pour chercher du travail. Hé, hey. Tu n'as pas idée à quel point j'ai besoin d'un travail. Mon mari, cette affaire devient fatigante. Je commence à me fatiguer de tout ça, hein? Et ça devient insupportable pour moi. Supporte-moi juste tant que tu peux, s'il te plaît, j'en ai besoin. S'il te plaît, les choses vont bientôt s'améliorer, je te promets. Ce sont les mêmes histoires que tu me racontes depuis des années. Tous les jours, d'année en année, les choses iront bien. Quand est-ce que ça ira bien? Bientôt. Hein, bientôt. Je suis fatiguée. Très fatiguée. Écoute, j'ai rencontré mon ami Peter et il m'a prêté un peu d'argent. Hey, mon voilà. Dieu. Voici 2000. Prends ces 1000 naira et permets-moi de garder celui-ci. J'ai aussi acheté du pain et du café. Comment vas-tu faire pour rembourser cet argent? Ne te dérange pas pour ça. Où est Chizarem? Elle est à l'intérieur, elle est en train de dormir. Je vais aller la réveiller, comme ça elle peut venir manger. Et maman? Maman doit être derrière la maison. C'est quoi même ce problème de réseau? Ici, c'est bon. Maman? Ah, mon je fils. Je suis rentré. Tu es rentré? Oui, maman. Bienvenue. Merci, j'essaie maman. De chercher le réseau. Maman, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ah. Vraiment, quelque chose comme quoi? Maman, je réfléchissais. Ce terrain à l'extrême, vers la rivière. Mm-hmm. J'aimerais labourer là-bas. Hé, hey. Labourer? Mon fils, je ne comprends pas. Maman, trouver du travail n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé, mais rien. Je ne peux plus perdre mon temps. Je dois faire quelque chose. Je dois faire un champ. S'il te plaît. C'est mieux que de ne rien faire. Que tu veuilles commencer les travaux champêtres n'est pas la question. Tu sais que peu importe ce que tu vas planter aujourd'hui, ça prendra longtemps pour toi de récolter. Ikefunekui, tu le sais, non? Ton grand-père et moi sommes allés labourer. Tu sais ce qui s'est passé. On n'avait pas assez pour récolter au bon moment. On a eu un petit argent des petites choses qu'on a vendues. Hein? Récolter n'était quoi zégonatebo. En tout cas... Maman, je comprends. Mais j'ai pris ma décision. Oh, c'est quoi de l'eau? Pas de problème. Comme tu as pris ta décision et c'est ce que tu veux faire, pas d'objection de ma part. On n'a pas de l'amour. Regarde. Ha! Olandia. Moi, t'as un réseau, une barre. Au quoi me faut. Allô? Amanda! Espèce de folle! Amanda! Hein? Idiote! Qu'est-ce qui t'arrive? Ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi tu cries comme une folle? Tu es malade? Pourquoi tu cries? Pourquoi est-ce que tu manges la nourriture de ma fille? Mais tu avais déjà mangé, non? Oh, parce que j'ai déjà mangé. Je ne dois plus manger quand j'ai faim, c'est ça? Si tu veux savoir, j'ai mangé la nourriture de ma sœur. Tu comprends? Tu ne peux pas manger quand ma fille a faim. Tu ne vas rien manger. Regarde ce que tu as fait. N'importe quoi. Respecte-toi. Respecte-toi, Teresa. Il n'y a que Dieu qui va te pardonner. Il n'y a que Dieu qui va te pardonner. Il n'y a que lui. Il n'y a que Dieu pour te pardonner. Il n'y a que Dieu pour te pardonner. Je ne vais pas te répondre. Dégage. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te répondre dans cette maison. Allez, bouge de là. Maman. Maman. Amanda. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman,
Tu sais ce que Teresa a fait? Juste parce que j'avais faim et que j'ai pris la nourriture que j'ai mangée, Teresa m'a traitée de voleuse. Elle a jeté la nourriture que je mangeais. Elle l'a jetée. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a jeté ce que tu mangeais? Oui, maman. Elle te traitait de tous les noms? Oui, maman. Quel genre de nom? Elle m'a traitée de voleuse, de prostituée. Il n'y a pas de nom dont elle Teresa Noise. Teresa t'a traitée de voleuse et de prostituée dans la maison de ton père. Attends voir. Nem. Allons-y. Elle va me sentir, cette Teresa. C'est quoi cette histoire? Tu traites ma fille de prostituée dans la maison de son père? Teresa! 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 Maman! Reste là, reste là! Ne fais pas un pas de plus! Maman! Comment oses-tu? Maman! Reste là! Eh ben, moi, une fois, aussi, mais ben, comment oses-tu traiter ma fille de tous les noms? Tu la traites de voleuse et de prostituée dans la propre maison de son père, hein, voilà! Maman! Je ne l'ai pas traitée de voleuse. Maman, tu aurais dû me demander au lieu de la soutenir. Hey, Isegini, j'aurais dû... Hey, ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi, Son Altesse Royale. Reine Amina. Non. Ah non, Fia, je dois prendre des permissions chez toi avant de te poser des questions. Maman, cette nourriture était pour Tizaram. Elle avait déjà mangé sa part. Alors, est-ce que ce n'est pas la maison de son père? Elle peut manger le nombre de fois qu'elle veut. Oui. De toutes les façons, je ne t'en veux pas. C'est à mon fils que j'en veux. Il est allé chercher une femme remplie de malchance comme épouse. Exactement. Malchance. Maman, moi, Teresa, une malchance. Elle veut dire quoi par moi, juste. Teresa? Ma fille, tu n'as pas de nom. Dis juste, moi, malchance. Tout simplement. Je suis malchance. Et n'y fais coup, dis-le. Je suis malchance dans cette maison. Je suis malchance, dis-le. Vas-y, dis-le. Non, dis-le, Mana. Allez. Maman, s'il te plaît. Tourne-toi comme ça. Maman. Non, 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 non. Je ne veux pas me disputer avec toi. Maman, s'il te plaît. Tu veux que j'utilise ce bâton? Laisse-moi utiliser celui-ci. La façon dont je vais te fouetter, hein, fera que tu ne traiteras plus ma fille de prostituée ou de voleuse. Allez, tourne-toi. Maman, je ne l'ai pas traitée de prostituée. Tiens, en fait, place-toi de ce côté. Place-toi comme ça. Fais comme ça. Place-toi, reste là. Reste là. Reste là. Pourquoi est-ce que tu bouges? Je te fouette et puis tu bouges. Pardon, maman. Mets ta main là-bas-haut. Regarde devant. Maman. Bien, né. Pardon, maman. Combien de fois t'as-t-elle traité de prostituée? Trois fois, un coup de plus. Enlève ta main. Maman. Combien de fois t'as-t-elle traité de voleuse? Deux fois. Tu es couché? Maman, vas-y, lève-toi! Grand frère, tout ce que j'ai fait, c'est de prendre la nourriture. Et ta femme a commencé à me traiter de tous les... Vraiment? Oui, grand frère. Oui. Elle t'a traité de prostituée et de quoi, dis-lui? De voleuse. Remercie tes dieux. Tu comprends ce que j'ai dit? Remercie tes dieux que je n'étais pas là. J'allais te refaire le contraire. Vous deux, méfiez-vous. Le jour que vous toucherez ma femme, et des mourous. Ce que je ferai de vous deux, vous ne pouvez pas l'imaginer. Maman, je suis désolé de ce que ma femme a dit et même de ce qu'elle a fait. Je te présente mes excuses à sa place. Mais s'il te plaît, arrête tes filles. Que ce soit la dernière fois que j'entends que vous avez mis main sur ma femme. Si vous la touchez encore, ce que je vais vous faire, je vous mets au défi. Touchez-la encore. Arrête ça. Alors avertis ta femme. Oui, tu me fixes. Avertis ta femme. Fixes. Maman, maman, maman. Arrête, maman. Maman. Grand frère, laissez-la. Lâche-moi. Entre, vas-y, entre. C'est quoi ce comportement? Qu'est-ce qui t'arrive? Revenez ici, Elle m'a poussé. Vous êtes folle. Vous êtes folle. Grand frère, reviens ici. Maman. Maman, calme-toi, c'est bon. Allez-y doucement, allez-y doucement. Lève-toi, c'est bon, ça va aller. Hey, Teresa, Teresa. Maman, lève-toi, non, s'il te plaît. Allez-y. Teresa. Mettez-vous à genoux. Vous vous permettez de lutter avec votre grand frère et sa famille dans la maison de mon père. À genoux. Attends. Je vais vous donner
une leçon à tous les deux aujourd'hui. Je te vois jalouser. Ta mère est en train de te parler. Une leçon à toutes les deux. À genoux. Attends, Madoka, attends. Maman. Donc, tu es allée chercher la vieille ceinture que ton père utilisait avant de commencer ses récoltes. Maman. Tu peux l'utiliser sur mes jumelles. Maman, papa a utilisé cette ceinture. Oui. Pour me discipliner. Aujourd'hui, je ferai pareil. Maman. Venez ici très vite, je vous parle. Venez ici. Madouké. Douké, ne tue pas mes enfants. Quoi? Amanda, cours rapidement. Ne tue pas mes... Venez comme ça. Venez comme ça. Laisse mes enfants tranquilles. Douké. 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 Maman, tu as vu ton travail? Hein? C'est ton travail! Comment est-ce que ces idiotes, ces petites souris jumelles ont eu le courage d'harceler ma femme? De toucher ma femme? Hein? À quoi servent-elles? Leur travail, monter et descendre avec les hommes, coucher avec différents hommes dans ce village. Voilà ce qu'elles font! C'est leur travail! Leur travail, c'est de suivre les hommes, de prostituer! Et ils ont le tout peur de toucher ma femme! Maman! Maman! La guerre vient de commencer! Garde ça à l'esprit, ce n'est pas fini. Oh ma go Allah, on go aussi Allah, et my go et voilà. Madoka, dire qu'elles suivent les différents hommes, c'est du pur mensonge. Parce que mes filles sont charitables, qu'y a-t-il de mal à être charitable? Quand un homme est malade, elles s'en occupent pour qu'il se sente mieux. Quand un homme est malade, elles s'en occupent, qu'y a-t-il de mal à ça? C'est juste être un bon citoyen. Teresa, tu n'aurais pas dû pousser ma mère. Ce n'était pas nécessaire. Es-tu conscient de ce que tu dis? Tu ne t'es même pas dérangé pour me demander ce qui s'est passé. Et tu es là à prendre parti. Prendre son parti? Mais comment? Tu n'as pas vu la manière dont je les ai réprimandés? Hein? J'essayais de faire la paix. Comment peux-tu dire que je prenais le parti? Homme de paix, ta précieuse sœur a mangé la nourriture prévue pour ta fille. Et au lieu de la réprimander, tu étais là à prendre son parti. Prendre son parti? Mais, Teresa, mais... Je ne veux pas entendre ta voix. Je ne veux rien entendre. S'il te plaît, va retrouver ta mère. C'est ta famille. Nous sommes des personnes inutiles. Kanakono Okita. Désolé. Amanda, d'où viens-tu? Où as-tu passé la nuit dernière? Ma sœur, tout d'abord, je suis allée dormir chez mon copain hier soir. Regarde, je devais lui dire que grand frère exagérait hier. Tu comprends? Mais je sais pourquoi j'ai laissé. Je sais pourquoi. De toute façon, prends ça. Je t'ai gardé ça. Débrouille-toi avec, d'accord? Suis-moi dans mes marches, mais tu refuses de le faire. Vas-y, régale-toi. Merci beaucoup. Oh oh! Mais c'est juste du coca et des biscuits. C'est pour ça que tu as dormi dehors. Tu es folle. Je ressemble à une fille facile. Hein? Maintenant, tu veux m'insulter, n'est-ce pas? Je disais juste. Je savais que tu allais avoir faim. C'est la raison pour laquelle je t'ai acheté ces choses. Hein? Plus tard, je vais vous donner. Ne t'inquiète pas. Quoi de neuf avec cette stupide fille, cette femme, Teresa? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée très tôt ce matin. Mais je pense que sa fille dort. Cette fille, malchance. Tu vois cette fille, c'est une malchance pour cette famille. En tout cas, laisse-moi aller me reposer. Je suis trop fatiguée. Où est-ce que tu vas? Je veux aller. Oh, je t'en prie, laisse-moi aller me reposer. Hein? Après, je suis vraiment très fatiguée. La façon dont tu me proposes. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Oh!
Ma sœur. Hey, comment tu vas? Je vais bien, oh. Et toi, comment tu vas? Ça fait un bail. Ma sœur. Je n'arrête pas de dire que je vais venir chez toi. Je n'arrête pas de dire la même chose, mon ami. Alors dis-moi, comment est-ce que tu vas? Ma chère, aide-moi. Ah, merci. Ah. Je vais bien, oh. Hey. Hey. Je vais bien. Ah. Ma sœur, j'ai entendu ce qui est arrivé à ton mari. Vraiment désolée. Ça va aller. Qui aurait pu croire que moi, Teresa, je serais dans une situation pareille? Ça va aller, ma chère. Je sais que les choses pourront paraître difficiles pour le moment. Mais garde la foi. Tout ira bien en un rien de temps, ok? En tout cas, je prie pour que tu ne sois pas dans une situation comme la mienne. Ma sœur, il faut que je commence à partir. On se verra une autre fois. C'est bon, C'est bon, okay, ma sœur. Okay. Prends juste soin de toi-même, d'accord? Tu veux m'abandonner ici? Aide-moi d'abord. Hey, merci. Au revoir et à bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais une tresse. Ne gâte pas tout. J'essaie d'arranger. Je fais des boucles. Aïe, c'est très joli. Mon fils. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment était ta journée au champ? Ma journée s'est bien passée. D'accord. Où se trouve Teresa? Teresa. Malchance, hein, Teresa? Elle oui, doit maman. Être à l'intérieur, n'importe où, derrière, à côté, je ne sais pas. Mais elle est sûrement quelque part en train de gaspiller sa vie, maman, comme d'habitude. Ne recommence pas, hein? Je viens juste de rentrer du travail, je suis fatigué. Laisse-moi aller me reposer. Ah, ok. Pas de problème, j'ai déjà posé le haricot au feu. Ce sera bientôt prêt. Puis je vais t'appeler pour manger. Ok, maman. Makichabe Teresa, moi, go agubegi. Maman, j'ai compris, j'ai compris. D'accord. Isinalo kioloma. D'accord, je le ferai. Ambassa serima. Ambassa sibo Teresa mwa betaleo. Shirazam. Ungwa bulu chiza ngwa kwacholino. Chiza ra mami kaki do chikamamia. Mon mari. J'ai rentré. Bienvenue. Merci. Comment était ta journée? C'était bien. Ah, sois le bienvenu. Merci, je vois que mon petit ange est en train de dormir. Oui, oh, elle s'est endormie. Elle a insisté pour que je la coiffe et pendant que je la coiffais, elle s'est endormie. Sa coiffure est jolie. Mon mari, ouais. J'ai fait ton plat préféré, la sauce pistache et l'igname pilé. Tu vas adorer. Laisse-moi te l'apporter. Teresa. Oui, mon mari. Mais où as-tu pris l'argent pour faire les goussis avec l'igname pilé? Je suis allée rendre visite à ma mère aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a donné l'argent pour ce repas. Tu n'aurais pas dû faire ça! Tu n'aurais pas dû! Pourquoi? Pourquoi, Teresa? C'est devenu tellement grave au point où tu as acheté ta mère pour demander de l'aide! Maduka, pourquoi est-ce que tu es fâchée? Tu n'aurais pas dû faire cela. Mon mari, qu'est-ce que ça me fait passer pour un homme qui est incapable de prendre soin de sa famille? J'ai compris, mon mari. Je t'apporte ton... Rien ne va. Ne fais plus jamais une telle chose. Je ne veux plus que tu achètes ta mère pour une raison quelconque, sans toutefois me prévenir en avance. Je ne vais plus le refaire. Attends, je t'apporte ton repas. Ça ne m'intéresse plus. J'ai perdu l'appétit. Désolée, mon mari. Je suis désolée. Je suis désolée, mon mari. S'il te plaît, ne réveille pas ma fille. Je suis désolée. Papa. Le papa est là. C'est bon, c'est bon. Dors. Merci.
Mon ami, tu n'as pas l'air en forme. Dis-moi, c'est quoi le problème? J'espère que tout va bien. Ma sœur, ça ne va pas. Tu n'as qu'à me regarder. Parfois, je regrette d'avoir épousé Madoka. Ah! Teresa, tu ne devrais pas parler comme ça. Ce Madoka est un homme bon. Il t'aime, il t'adore. Ensemble, vous avez emmené une belle fille dans ce monde. Est-ce que tu peux croire qu'il est en colère contre moi? Juste parce que j'ai demandé de l'aide à ma mère. Mais il n'y a rien de mal à aller chez ta mère pour demander de l'aide, non? Et il est celui qui m'a empêché de faire toute activité commerciale. En disant qu'il peut subvenir aux besoins de la famille. Mon ami, sois juste un tout petit peu patiente, ok? En peu de temps, tout ira bien. Quand est-ce que ce temps viendra? Quand? Teresa, aie juste la foi. Ok. En passant, qu'est-ce que je peux t'offrir? Non, ça va. Accompagne-moi juste. Il faut que je parte. Déjà? Je vais faire la lessive. Allons-y. Déjà? Ok, c'est bon, c'est Allons-y. Bon. Je suis contente que tu sois venue aujourd'hui. Tu sais qu'on te voit par occasion ces jours. Ce n'est pas de ma faute. Tu sais comment les choses se passent. Je comprends. Ok, allons-y. Ah, ma sœur, je vais faire comment? Je vais seulement supporter. Avec tout ça. Exactement. En espérant que ça va changer un jour. Ah, regarde le plantain là. Ah, c'est gros. Hey, elle a de la chance. Si moi aussi je pouvais avoir un champ comme Bonjour. Ça. Hey. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Désolée, est-ce que je peux te parler en privé juste pour une minute? Merci. On se reparle plus tard. D'accord, Teresa, je viendrai te voir. Désolée. Ton amie n'est pas contente, désolée. C'est pour ça que tu m'as interpellée? Eh bien, je ne peux pas voir une belle fille comme toi et la laisser partir comme ça. Je suis désolée, je m'appelle Steven. Je suis mécanicien. En fait, je suis venu laisser la voiture de mon client. Je l'ai appelé, mais il ne décroche pas. Ok. S'il te plaît, je peux apprendre à te connaître. Au moins ton nom. Hein? Merci, est-ce que je peux partir maintenant? Merci. Je peux te déposer si tu veux. Pendant que j'attends, je peux te déposer. Non, merci. Hein? Merci. Biko, s'il te plaît. Merci. Hi. Merci. Ok. Mon pote, mon type m'a finalement payé. Et ce n'est pas une petite somme, hein, c'est un million, je t'assure. Oh, c'est de l'argent, mais pourquoi est-ce que je te mentirais? Ok mec, je te rappelle. Salut, comment tu vas? Quoi de neuf, on se prend un coup? Hein? Quand je te vois, on dirait une personne qui est touchée par la famine. On se prend un coup et je te donne 10 000. Tu vois, rapidement par derrière. Je ne t'en veux pas. C'est la bouille qu'il y a dans ta tête qui te dérange. Idiot. C'est juste parce que je veux t'aider, hein. Mon Dieu, mon argent, s'il te plaît. Juste pour manger. Maman, j'ai mal au ventre. Ça va aller, ma puce. Patiente juste un peu. Ton père sera bientôt là. Pardon, non, maman, pardon. Non. S'il te plaît, sois patiente. Ok.
Désolée. Ça fait trop désolée, mal. Mon bébé. Désolée. 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 Dieu va nous aider. Teresa. Oui, mon mari. Je sais que je n'aurais pas dû te parler de cette façon. Ok, je suis désolé. Je veux juste que la paix règne dans cette maison. Je veux aussi qu'il y ait la paix dans cette maison, mon mari. Je sais que ma mère et ma sœur peuvent être assez difficiles, mais sois juste patiente avec elles. Hein? Très bientôt, la paix règnera. Tout le monde sera content. J'ai compris, mon mari. À partir de maintenant, je ferai tout ce qui est possible. Tout ce que je peux pour qu'il y ait la paix dans cette maison. Merci. Ok, mon mari. Merci, mon amour. Voilà ce que je veux entendre. Je vous aime tous les deux. Nous t'aimons aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et comment est-ce que tu as su où je vivais? Très simple. J'ai demandé et on m'a montré. Attends. Et si ma mère sortait? Quoi? Est-ce qu'elle est là? Mais oui. Bah, ça arrange les choses pour moi. Très simple. Je lui dirai ce que je pense immédiatement. Et quelles sont tes intentions? Mais bien sûr, pour t'épouser. Tu doutes encore de moi? Tu ne baisses pas les bras, n'est-ce pas? Mais non. Comment est-ce que je peux? Regarde, depuis que j'ai posé mes yeux sur toi ce premier jour, je savais qu'un jour, j'allais faire de toi ma femme. Qu'est-ce que tu as dans ce plastique? Je l'ai apporté pour toi. Ah, ça a dû te coûter cher. Eh bien, je ferai tout pour ma princesse, tu sais. Tu ne baisses pas les bras, n'est-ce pas? Tu es juste impossible. Eh bien, je sais qu'un jour je te ferai tomber amoureux de moi. Et aucun jour ne passera sans que tu ne penses à moi. Ok, tu sais quoi? Laisse-moi te raccompagner, j'ai fini de faire la vaisselle. Avant que ma mère ne sorte, ok? Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Laisse-moi donc la voir. Non, 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 pas maintenant. S'il te plaît, allons-y, allons-y. Tu es sûr? Oui, oui. Maman? Maman? Ah, oui, ma fille. Maman. Maman, laisse-moi t'aider. Oui, maman. Okay, d'accord. Oui. Vas-y maintenant. Oui, maman. Maman, il y a quelque chose que je veux te dire. Oui, maman. Vas-y alors. Je t'écoute. J'ai rencontré quelqu'un. Et il m'a déclaré ses intentions de m'épouser. Vraiment? Oui, maman. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Merci, maman. Tu sais, ça a toujours été ma prière, que tu rencontres un bon homme et tu te cases avec lui. Merci, maman. Ok, alors, quand est-ce que je vais rencontrer cet homme? Très bientôt, maman. Très bientôt. Oui, et je sais que tu l'aimeras aussi. Bien sûr, pour de vrai. Ok. Cet homme. Oui. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait pour gagner sa vie? Maman, il est du village voisin. En ce qui concerne ce qu'il fait pour gagner sa vie, Steve est un mécanicien. Oui, maman, c'est un mécanicien. Ok. Hey. Merci. Ma? Merci. Maman? Donc, parmi tous les hommes dans ce monde, c'est un simple mécanicien que tu veux épouser? Dis-moi! Mais maman, quel mal y a-t-il à être un mécanicien? Tout va mal, merci! Merci, tout va mal! Maman? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ma fille ne va jamais, écoute-moi, ne va jamais épouser un mécanicien! Hé, maman!
je peux te poser une question? Papa n'était pas un cueilleur de vin quand tu l'as épousé? Hé, arrête ça! On ne parle pas de ton père ici. On parle de ton futur. De ton futur, Messi. Maintenant, dis-moi, quel genre de vie est-ce qu'un simple mécanicien va te donner? Dis-moi. Maman, si Dieu a dit que je vais épouser un mécanicien, il n'y a rien que je puisse faire. Tu devrais être en train de prier pour moi. Jamais de la vie. Je le bannis, je le rejette, Messi. Ma fille ne va jamais épouser un mécanicien. À Brornikalingin, hein? N'importe quoi. En fait, je le bannis. Ma fille ne va jamais épouser un mécanicien. Okoriangi, Manlima, Nokokololiko, les gogo mécaniques. Jamais. Impossible. Tu ferais mieux d'aller chercher un autre homme. Pas un mécanicien. Chineke, Onye Berebiyenka. Qui est-ce qui m'a fait ça? Hey, mécanicien. Okukualu. Chérie, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air en colère, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas de bonne humeur, je suis très en colère. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, ma princesse? Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère, elle est contre le fait qu'on soit ensemble. Ta mère? Oui, non, simplement jamais de la parce vie. Que tu es mécanicien. Juste pour ça? C'est pour ça que tu envisages comme ça? Ce n'est pas assez de raison pour être Mais en colère. Mais ma chère, ne t'inquiète pas. Attends, regarde. Une fois que j'aurai terminé, que j'aurai fini avec tout ça, ta maman, elle pourra comprendre que je t'aime beaucoup. Tu es ma femme. Je te le dis. Hmm? Tu en es sûr? Mais oui. Ma beauté. Ma princesse. Viens par là. Fais-moi un câlin. Mon bébé. Oh, mon amour. Mon bébé. Regarde, hein. Regarde. Il y a quelque part où on va aller s'asseoir. Allons-y, hein. Mon bébé, hein. Allons-y. Oh, mm. Vraiment délicieux. Mon mari, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi, parce que je suis vraiment troublée. Qu'est-ce que c'est? Notre fille Thérèse a été là aujourd'hui. Et honnêtement, elle ne va pas bien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Naï, Thérèse souffre vraiment. Et comme si ce n'était pas suffisant, son stupide mari a perdu son travail. Ho ho! Ho ho ho! Lorsque tu conseilles un enfant et qu'il refuse d'écouter, tu la laisses avoir sa propre expérience, afin qu'elle puisse apprendre. N'ai-je pas conseillé à Thérèse de ne pas épouser ce garçon? Mais elle ne m'a pas du tout écouté. Tu as vu? Naï, je sais. Mais la situation est déjà là et nous devons faire quelque chose. Nous n'allons absolument rien faire. Rien. Naï. Tu m'as compris. Nous n'allons rien faire du tout. Elle va elle-même tirer ses leçons. Comme ça, la prochaine fois, elle va apprendre à écouter ses parents. En fait, j'ai perdu l'appétit. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, mange ta nourriture. Mange, s'il te plaît. Naï, je suis désolée, Biko. C'est juste que... Thérèse! Thérèse! Hey, mon ami. Tu es là. Oui, oh. Pourquoi es-tu aussi contente? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi et dis-moi tout. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du gars qu'on a vu l'autre jour? De quel gars tu parles? Ce... pauvre et misérable rat des rues. Ce n'est même pas un humain, c'est une chèvre. Excuse-moi, je ne vois aucun pauvre rat des rues. Il a un nom et il s'appelle Steve. Ok, madame, dis-moi, et ton fameux Steve, quel est son métier? Eh bien, Steve est mécanicien. Hey, c'est très drôle, un simple mécanicien. Mon ami, tu ferais mieux d'apprendre de mes erreurs, oh, pour ne surtout pas finir comme moi. Erreur? De quelle erreur parles-tu? Tu n'as qu'à me regarder. Je suis tombée amoureuse d'un très pauvre et misérable gars. La preuve, regarde-moi. Je le suis nulle part. Thérèse, attends.
Tout d'abord, je ne vois aucune erreur. Et puis ensuite, l'argent ne veut rien dire pour moi. Il s'agit de l'amour. Eh, l'amour. En ce qui me concerne, j'ai dit ma part. Si tu veux, fais des choses d'amoureuse là-bas. Parlons des vraies choses. Comment va ta mère? Ma mère va bien. Bonjour. Comment tu vas, ma belle? Encore toi? Encore moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu sais, la dernière fois que je t'ai vue, je t'ai dit, ok, bébé, qu'une aussi belle femme que toi ne pourrait pas être sous le soleil. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Toi. Écoute, Teresa, je veux que tu deviennes ma femme, ok? Je suis une femme mariée, mais aussi mère d'un enfant. Et je sais sans aucun doute que je ne suis pas la femme dont tu as besoin. Tu es mariée? Teresa, il est clair que tu n'es pas du tout heureuse dans ton mariage. Je veux dire, ça semble tellement évident. Mais regarde, laisse-moi te dire. Je ne suis pas là pour te blesser. On pourrait être des amis, ok? Avec le temps, tu pourrais apprendre à mieux me connaître. Tu pourrais m'aimer. Écoute. Laisse-moi prendre soin de toi, ok? Écoute, viens dans la voiture, je vais t'inviter dans un endroit où on pourra discuter plus calmement. S'il te plaît, viens. Bonjour, ma belle. Allez, viens que je t'emmène, ok? Merci beaucoup, mais non. Je peux marcher pour aller où je vais. Hey, pas aussi vite, ok? Vas-y, explique-moi comment est-ce qu'une aussi belle femme que toi fait sous un soleil pareil. Tu te fais violence inutilement, mais regarde-toi. Je suis habituée. S'il te plaît, j'insiste. Non, laisse-moi te dire. Tu mérites de voler en jet privé, ok? Mais pour le moment, ma voiture fera l'affaire. Allez, laisse-moi te conduire, belle créature. C'est bon, là. Ah. Oui, ici. Merci beaucoup. Pas de quoi. Mon nom est Azubuike. Pourrais-je avoir l'honneur de connaître ton magnifique prénom, s'il te plaît? Je m'appelle Teresa. Teresa? C'est un ravissant prénom pour une ravissante femme. C'est un Merci. Immense plaisir de faire ta connaissance, Teresa. En fait, je viens de rentrer des États-Unis et j'ai décidé de rencontrer certains membres de ma famille, tu vois. Ok, sois le bienvenu. Merci. De toutes les façons, merci de m'avoir déposé. Hey, c'est rien. J'espère te revoir bientôt. Oui, probablement. Teresa! 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 Maman? Tu appelles qui, maman?
Qui était cet homme qui t'a déposé? Maman, de quoi est-ce que tu parles? Tu ne l'as pas entendu? Attends, tu es sourde? Oh, donc tu veux le nier? Teresa, tu veux le nier? Est-ce que ce n'est pas un homme qui t'a déposé? Réponds maintenant. Hey! Oyikoko yikuna ananyaya. Biamukwem operaka nyakweko. Maman, maman, avec tout le respect, je n'ai aucune explication à te donner. Encore moi, vous deux. Hey! Excusez-moi. Hey! Maman, tu vois? Maman, tu vois? Je dis à grand frère que cette femme ne le valorisait pas. Il pensait que je blaguais. Hey! Il a cru que je blaguais. Oh! Maintenant, regarde comment Teresa répond à maman. Ne t'en fais pas. Regarde comment Teresa répond à maman. Qui ne t'en fais pas. Qui? Ne t'en fais pas. On verra si Madoka est l'homme de cette maison. Ou il n'est qu'un morceau de pain. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre la machette ou la ceinture et poursuivre Tessie dans tout ce village. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais maman, ne t'en fais pas. Je vais lui donner une leçon. Attends-moi. Eh ben, comme moi, là, coucou, moi, bozo. Regarde Teresa. Bah, coucou, na bozo, eh ben, qu'on n'a pas. Maman, je ne t'aide pas. Maman, je t'aide. Teresa! Hey! Peut-être que l'homme lui a donné une bouteille de bière. Hey! Oh, nya, nya, nya. Oh! Oh, nya, nous, coco, et ça l'a rendu robuste. Diano, arrête, Anya, va lui donner une maman, leçon. Maman, tu fais comme si tu. J'ai dit, va lui donner une leçon. Derrière, nous, ne coucou. Maman, ne t'inquiète pas. Vas-y! Je vais lui donner une leçon. Teresa! Abouze, non, coucou. Hey! Le miracle ne finira jamais. Moi, Teresa me répond. Je n'écoute pas assez de bruit à l'intérieur. Teresa, Anugo Campari. Chizaram. Oh, pourquoi est-ce que tu mets en désordre ce que je viens d'arranger? Je vais taper cette fille. Je vais taper cette fille. Papa! Ah, mon bienvenue, mon mari. Alors, ta journée, comment tu vas? Très bien, ma journée s'est bien passée. Et comment était la tienne? Madoka. Ma journée s'est bien passée. Ok, oh. Laisse-moi t'apporter quelque chose. Comme ça, tu pourras boire. Teresa, reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Madoka? Qui t'a déposé? Qui est cette personne qui t'a déposé dans la voiture? Je peux voir que ta mère et tes sœurs t'ont déjà tout raconté de ma journée. Et comme d'habitude, tu as déjà tiré une conclusion. Je veux l'entendre de ta propre bouche. Teresa, qui t'a déposé à la maison aujourd'hui? Madoka, je n'ai rien à te dire. Teresa, Teresa! Alors, tu arranges les vêtements ou alors tu les mets en désordre? Je les mets en désordre. Je le savais. Ok, tu dois être une bonne fille. Arrange bien tes vêtements, ok? Ce sont même mes vêtements. Alors, tu dois aider ton papa. Tu n'es pas sérieuse, mon ami. Tu es en train de blaguer, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague. Hey! Tu veux dire que tu es amoureuse de lui et tu veux l'épouser? Oui. Un mécanicien. Un simple mécanicien. Tu veux souffrir? Hey. Merci, ma fille. Merci, oh. Je lui ai parlé pour qu'elle voie une raison. Mais Dieu merci, maintenant que tu lui parles, elle veut passer toute sa vie avec un simple mécanicien. Unukwam. Merci, tu es mon ami. Mais en ce qui concerne ce mécanicien, pour moi, c'est non. J'ai essayé de lui parler pour qu'elle voie les raisons. Mais c'est bien que tu lui parles, s'il te plaît. Parle à ton ami. Merci, maman. Elle veut passer toute sa vie avec un mécanicien. Mécanicien. Maman, je... Écoutez, je sais que toutes les deux, vous voulez le meilleur pour moi. Et si la meilleure chose pour moi, c'est ce simple mécanicien? Jamais de la vie. Je le rejette pour toi. On a foutu nous, tout goué. Comment est-ce que tu peux penser à ça? Maman. Oui, ma fille. Je vais te voir après. Merci, ma fille. Merci, maman. S'il te plaît, assure-toi de lui parler. Je vais lui parler. Que vous me soutenez toutes les deux ou pas, maman, je m'en fous. Je vais épouser ce mécanicien. Bah, yaouiak.
Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Bienvenue. Hein? D'où vient tout ça? Teresa. Mais comme tu peux le voir. Hein? Ils sont tous à moi. Ils sont tous à moi. Quoi? Ils sont à toi. Où est-ce que tu as eu de l'argent pour te procurer tout ça? Jar, ça t'appartient. Si tu me demandes, à qui est-ce que je vais demander? Je ne sais pas où. Teresa. Je suis pas en train de blaguer. Moi aussi, je ne suis pas en train de blaguer. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. J'ai l'air de me soucier de ce que tu penses. Je m'en fous. Si tu veux, pense en haut. Si tu veux, pense en bas. Ce sont tes affaires. Monsieur le penseur, ne réfléchis pas pour gagner ta vie. Non, reste là, réfléchis. Non, reste là. Ne bouge pas, réfléchis. Teresa! Pardon, laisse-moi. Je range ça. Je vais faire des choses derrière. Reste Teresa. Là, reste là. Amanda, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Attends, depuis le matin, c'est maintenant que tu vois. Les nouvelles qui courent partout au village ont affaire avec notre belle-sœur Teresa. Hey, attends, Teresa? Oui, oh. Teresa, on l'a vue dans tout le village avec un beau gosse riche. Faire du shopping d'un endroit à un autre dans ce village. Ah! Pas étonnant que je l'ai vu avec différents sacs de shopping. Ne me dis pas que c'est vrai. Teresa, Madoka des ennuis. Donc Teresa se moque de notre frère dans ce village. Ah, quand j'aurai fini avec elle dans ce village, quand j'aurai fini avec Teresa dans ce village, elle verra. Ma chère, aide-moi. Allons quand nous serons à la maison. Je vais m'assurer, hein, de refaire son portrait à cette fille de Teresa. Attends. Maman! 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 Hey. Pourquoi est-ce que vous criez comme ça? Tu ne vas pas croire à la rumeur qui circule dans le village. Tu ne vas pas le croire. Quelle rumeur? Ta soi-disant belle-fille, Teresa, a été vue dans tout le village. Maman avec un homme. En train de marcher d'un endroit à un autre. Lui achetant des choses, maman. Vous voyez, Teresa? Attendez. Est-ce pour ça que depuis un moment, elle rentre avec des paquets? Oui, maman. Maman, tu as raison, c'est vrai. Hey! C'est pour ça. Ah, bah non, non, non. Gozika ne va pas tolérer ça. Je ne vais pas rester là et regarder n'importe qui apporter la honte dans cette famille. Ça ne peut pas arriver. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Hein? Mbou Teresa. Ah! Mbake Mwano. Kekodi. Est-ce qu'il est grand, court, gros? Comment est-il exactement? Maman, je ne l'ai pas très bien vu.
C'est un homme. Dans cette maison, Teresa avec un autre homme. On en est tchèque, Asselé. Prenez la bonne information. Vous n'avez pas vu quoi? Quelqu'un achetait des cadeaux pour la femme de votre frère? Et vous n'avez pas essayé de savoir qui est la personne? Maman, tout ça n'est pas nécessaire. Je vais juste tuer Teresa dans cette maison. Non, c'est nécessaire. Maman, Teresa! Aïe! Oh mon Dieu! Vas-y, mange. Tu es sûre que tu ne veux pas du jus? Régale-toi, ma fille. Mange. Maman? Maman, regarde là. Regarde ce qu'elle mange. Hey! Donc, Teresa, mange. Voici ce que tu es devenue. Hein? Maman, de quoi est-ce que tu parles? Mange ma puce. Donc, ce qu'on dit est vrai? Tu me demandes de quoi est-ce que je parle? Hey! Je ne vais pas rester là à te regarder. Mettre la honte à ma famille. Tu ne vas pas. Jamais. Humilier mon fils. Maman. Ah, quand tu auras fini de chialer, hein? Mets-moi au courant. Attends, elle a dit que je chiale. Maman, chialer? Donc le fait que les gens parlent de toi suivant d'autres hommes ne te dérange pas, n'est-ce pas? Maman, regarde-la, non? Est-ce qu'elle a l'air de manger? Tu veux manger, n'est-ce pas? Tu veux manger le reste. Maman! Maman, arrête-toi. Maman, non, laissez-la. Laissez ma mère. Maman, il y a quelque chose dont j'aimerais vraiment parler avec toi. C'est au sujet de mon mariage à Maduka. Et qu'est-ce qu'il en est à propos? Maman, il y a quelqu'un qui veut m'épouser. Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, ce gars est très riche. Maman, il ne manque de rien. Il a tout. Il s'en fout même que je sois mariée. Tout ce qu'il veut, c'est que je divorce de Maduka et que je devienne sa femme. Hey, Teresa. Maman. Donc tu as enfin décidé d'ouvrir tes yeux après toutes ces années. Maman, je croyais que Maduka allait devenir riche. Je croyais qu'il allait se réveiller. Mais au contraire, les choses vont de mal en pis. Je suis fatiguée. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'argent. Ma fille. Maman. C'est bien que tu aies découvert ça de toi-même. Je le dis de toi-même. Maman. Parce que je me souviens, quand ton père et moi, nous étions contre le fait que tu épouses cet idiot. Tu as commencé à nous menacer. Je vais me suicider si je n'épouse pas cet homme. Donc, tu pouvais encore raisonner un jour. Maman, en ce temps, j'étais encore très jeune. Hey. C'est la vérité. J'étais très innocente et tellement naïve. Mais maintenant, je ne pense plus à l'amour. C'est argent, argent, argent. Mon seul but, c'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, rien d'autre, maman. Ma chérie, l'amour sans argent, c'est n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi, maman. Du n'importe quoi. Maman, parle juste à papa. Comme ça, vous pouvez aller remettre la dot pour que j'épouse ce jeune gars. Maman, il a l'argent. No cueco. Maman. Je n'aurais même pas besoin de lui dire quelque chose. Je sais. Maman, je te l'ai dit. Hein? Steve est celui que je vais épouser. C'est lui l'homme que mon cœur désire. Alors, sois prête d'accepter ce que tu verras. Parce que je ne vais pas soutenir un mariage pareil. Maman, ne peux-tu pas comprendre? Hein? J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. Tu sais que papa n'est plus en vie. S'il te plaît. Ma chère, je ne fais qu'essayer de te protéger, ok? Je pense à ton présent et à ton futur, ma fille. Ok, je comprends. Mais Steve est l'homme que je veux pour mon futur. Oui.
S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. De toute façon, comme tu as décidé de finir ta vie avec un simple mécanicien, j'imagine que je n'ai pas de choix que de te soutenir. Oh, merci, maman. Merci beaucoup. Merci, je sais que merci, tu es mon seul enfant. Maman, je te remercie, maman. Merci infiniment, maman. Tiam. Sois merci, bénie, ma fille. Maman. Ah. Je n'y peux rien. C'est fait. Je n'y peux rien. J'ai déjà parlé à ma mère. Et à son tour, elle va parler à mon père. Je crois que tout va bien se passer. Vraiment? Allez, viens ici. Je suis si content. J'ai hâte de faire de toi ma femme. Moi aussi, j'ai hâte d'être ta femme. Yes! Toi et moi pourrons finalement nous marier. Je suis si content. Pareil pour moi. Je t'aime plus que tout. Je t'aime aussi. Viens là. Je t'aime. D'accord, bébé. Il faut que j'y aille maintenant. On se reparle plus tard. C'est ok. Tu me manques déjà. Tu vas aussi me manquer. Tu manques. Tu vas plus me manquer. Je t'aime. Je t'aime. Arrêtez-vous là. Tout le monde dehors. Arrêtez-vous. Allez, dehors. Il s'agit de sécrétion. Allez, tout le monde dehors. Arrêtez-vous. Dégagez. Descendez-vous. Descendez-vous. Empressez-vous de sortir. Allez. Allez, 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 bien. Allons-y. Allez, allons-y. 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 C'est bon. Ils ne sont plus là. Tu vas bien? J'espère qu'ils ne t'ont pas touché. Non, non. Hein? Ça va. Est-ce qu'ils t'ont blessé? Ça va. Matuka, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ils auraient pu te poignarder. Mieux moi que toi. Pourquoi? Regarde. Teresa. Je ne pouvais pas laisser que quelque chose t'arrive. Pourquoi? Parce que... je crois que je suis amoureux de toi. Je suis tombé amoureux de toi depuis le premier jour que j'ai posé mes yeux sur toi. Continuons juste d'avancer. Okay. Allez, quittons cet endroit. Okay. Nous devons aller au poste de police.
Grand frère, je vais prendre. Prends-le. Après, je viens de prendre la monnaie. D'accord. Hein? Ouvre et partage. Ouvre, ne sois pas égoïste. Ok, je vous donne un peu. Débrouille-toi avec ça. Hey. Hey, Tracy. Tu veux juste te prendre. Mais en plus, mais plus. Oh, vous allez finir mon lait. Ajoute encore. Délicieux. C'est bon. C'est très délicieux. Grand frère, c'est trop bon. C'est très délicieux. C'est très bon. Seigneur. Alors, Amanda est ici. Oui, grand frère. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu as une bonne nouvelle? Grand frère, qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Grand frère, mais imaginez quoi? Quoi? Imaginez. Allez, vas-y, raconte. Pour deviner. Hey, ok. J'ai finalement trouvé la femme qui partagera le reste de ma vie. Félicitations. Et ne versez pas mon lait. Ne versez pas. Félicitations, grand frère. Je suis contente pour toi. Ok. Bien. Dieu merci. Qui est-elle? Et d'où vient-elle? Son nom, c'est Teresa. Elle se trouve dans ce village. Teresa? Celle qui est rentrée de Kano récemment? La fille de Mazi Ozo. Ah, mais c'est bien. C'est vraiment très bien. Tu n'es pas allée loin. Ah, grand frère, elle est vraiment jolie. Croyez-moi, vous l'aimerez lorsque vous la verrez. Non, grand frère, si tu l'aimes, nous allons l'aimer aussi. Génial. J'espère que maman l'aimera aussi. Ah, maman va l'aimer. Ah, maman va l'adorer. C'est vraiment une bonne personne. Je suis très contente pour toi. Je veux dire, il est temps pour moi de me caser. Oui, tu dois te caser. Donc, laissez-moi vous apporter des petits garçons, afin que vous soyez détentés. Maman. Mon fils. Alors tu prends de l'air. Grand frère, sois le bienvenu. Bonjour, maman. Sois le bienvenu. Ok. Maman. Qui est-elle? Elle, c'est Teresa. C'est celle dont je vous avais parlé, Amanda et toi. Souviens-toi. Oui. Elle, c'est ma mère. Et l'autre, c'est Amanda. Où se trouve Stacy? Elle n'est pas là. Elle est sortie. Ce sont des jumelles. Je m'en souviens. Non. Merci, ma. Ravie de te rencontrer. Ravie de faire ta connaissance aussi. Tu ferais mieux de venir nous retrouver. Tu connais Amanda. Dans quelques secondes, elle va finir toutes les goyaves. Opozo, laisse-moi te prendre une chaise. Alors, comment tu vas? Je vais bien, ma. Allô, Madoka. Comment tu vas? Ah, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Tu me manques aussi. Yala. Mais pourquoi est-ce qu'on me prend dans ces villages? J'en ai marre. C'est avéré. J'en ai plus que marre dans ces villages. N'importe quoi. La prochaine fois, ose te comporter de la sorte. Maman? Et tu verras. Bonjour, maman. Allô? Madoka. Ta mère vient de rentrer où? Et elle a l'air très furieuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, je vais prendre soin de moi. Je te le promets. Ok, fais pareil. Je vais aller voir ce qui se passe. On se reparle plus tard. Mama? Mama? Madoka? 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 Maman? Viens là. Combien de fois t'ai-je appelé? Ifikogwe Nago Teresa. Je ne veux plus jamais la voir dans cette concession. À cause de cette fille stupide. Et elle m'a insultée. Elle m'a insultée, moi, Ngozika. Nketidière. Imagine. Hey! Maman, j'aime Teresa. Et c'est avec elle que je veux passer le reste de ma vie. Madoka, qu'est-ce que tu connais de l'amour? Non, réponds-moi, qu'est-ce que tu connais sur l'amour? Maman, tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre sans elle. Ogwe Fifinako. Okukumbesi. Je ne veux même pas entendre ces bêtises. C'est simple. Ngofifeneko. Grand frère, je ne veux pas te laisser amener cette fille dans cette maison. Je m'en fous si tu l'aimes ou pas. Parce que si c'est le cas, grand frère, moi, maman et ma soeur, allons faire de cette maison un enfer pour elle. Hey! Nous allons la mettre très mal à l'aise. Regardez-le. On ne veut pas qu'elle vienne ici. Neko makia. Nketia. Nengwa nketia. Mais tu n'as rien à voir avec Teresa. Pourquoi ça m'a t'elle de maman en route? Et toi, tu veux l'épouser? Mais ça, c'est ma mère et non Teresa. Grand frère, même si tu n'avais rien à faire avec Teresa, Nketi ne m'aurait jamais insulté. Hey! Oui? En fait, allons-y. Mais ma soeur, allons-y. Non, je ne peux pas l'accepter. Je dois leur apprendre à respecter maman. Comment? Au moins, dis-moi.
Non, maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, comment tu peux les supporter? Supporter qui? On a un dîneke. Et c'est une enquête. Au moins, moi, je n'ai pas une enquête. Au moins, moi, je n'ai pas une enquête. C'est bon. Une annonce, moi, je n'aime. Tu ne peux que t'en aller. Des bêtises. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois comprendre. Ta petite fille est en chemin. Et tu devras accepter le fait que j'aime Teresa. Je l'aime. Hé, hey, amour, mon œil. Vous avez disparu tous les trois pendant 3 mois. Personne n'avait de vos nouvelles. Et maintenant, elle est enceinte. Tu es rentrée. S'il te plaît, ne nous basons pas sur ça. Hein? S'il te plaît, aide-moi à parler à mes oncles. Et je pourrai partir chez Mazi Ozu et faire le nécessaire. Izioku, que je parle à tes oncles, tu parles de tes oncles ou de tes tantes. Je vais leur parler à eux tous, que ce soit homme ou femme. Je vais le faire. Merci en porte-parole. Qu'y a-t-il? Papa, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que c'est parce que maman nous a laissés? Non, je ne pleure pas, princesse. Qui t'a dit que maman nous a abandonnés? Elle est allée rendre visite à ton grand-père. Elle revient bientôt. Mes tantes Inamanda et grand-mère ont dit qu'elle ne reviendra plus jamais. Ce n'est pas vrai. Ta mère reviendra, ok? Ok? Je veux que ma mère revienne. Papa, s'il te plaît, ramène-moi ma mère. C'est bon. Princesse, je te promets de ramener ta mère. D'accord. Mon ami, hey, ça fait vraiment très longtemps. 3 ans déjà. Après que Steve et moi on se soit mariés, son oncle nous a appelés aux États-Unis. Alors, nous avons immédiatement déménagé là-bas. Waouh! Ouais. C'est une très bonne nouvelle. Je suis contente pour toi. Eh bien, nous sommes rentrés au Nigeria parce que Steve veut ouvrir une entreprise. Steve? Mm-hmm. Le mécanicien? Oui, hey, le simple mécanicien. Cette vie! Tu peux le redire. Hey, Seigneur! C'est un homme incroyable. Oui, un bon mari vraiment. Et nous avons 2 beaux enfants. Toi? Oui. Mère de 2 enfants? Hey, je nous suis avons pour 2 enfants. Waouh, je suis contente pour toi. Merci. Alors, dis-moi, as-tu eu des nouvelles de ta vie pendant ces 3 dernières années? Ma chère, je ne vais pas te mentir, tu es mon amie. Je n'ai pas vu ni eu les nouvelles de ma fille depuis ces 3 dernières années. Ça va aller, Teresa. Ça va aller, je comprends ta douleur, ok? Ça va aller. Je te comprends. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Amen. Santé. Dis-moi tout. Mais je pleure à Dieu. Je suis si contente pour toi. Merci, merci, merci. Tu peux le redire. Regarde ta peau. Gloire à Dieu.
Ce simple mécanicien. Ah, on rentre à cette vie. Hey, cette vie. Salut mon cœur. Bébé. Hey, comment tu vas? Je vais bien. Tu m'as apporté du jus. Merci. Mm-hmm. Je veux que tu sois en forme. T'es la meilleure, tu le sais ça. Ouais. Viens par là. Aide-moi. Il y a quelque chose que je souhaiterais que tu regardes attentivement. Regarde, regarde. Poisson frais! Poisson frais! Poisson frais, venez prendre votre poisson frais! Poisson frais, poisson frais! Oh! Ouf. Poisson frais! Ah, ma cliente. Ouais, tu veux pour combien? Combien coûte ceci? Ceci, c'est 100 naira, 100 naira, et là, 200 naira parce que c'est gros. Lequel voulez-vous? Non, non, c'est trop coûteux. Donne-moi celui-ci à 150. Celui-ci, hein? Ok, je le fais juste pour toi. 2 pour 150, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Ok. Hey, tu veux ce qui chauffe ou bien ce qui est froid? Celui-ci. Ce qui chauffe? Ok. Poisson frais! Oh, yego! Ton carton, il est tombé. Hey, je sais, pas de problème. Ouh! Comme tu peux le voir, c'est très chaud. Tu n'as pas un autre plastique noir? Ah d'accord, le plastique noir. Hé hey! Hé, hey, ma cliente. Tu vas te régaler. Très frais. C'est vraiment frais. D'accord, d'accord. Hein? Merci, merci beaucoup, merci. Hein? Dieu te bénisse. Merci. Hein? Poisson frais, poisson frais, poisson frais. Oh, yago. Achète ton poisson frais. Wouh! Achète ton poisson frais. Hé, hé, hé. Ma cliente est là. La cliente des clientes. Mm-hmm. Ça fait longtemps que je t'attends. Madouka. Ouais. L'original Madouka. Dis-le plus fort. Mon seul et unique ami. Crie-le. Ah, en y réfléchissant. Oui. Je t'ai fait la recette pendant ces 6 derniers mois. C'est ça. Et tu sais quoi? Tu vends le meilleur et le plus délicieux poisson de tous les temps. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort! Le seul Madouka de ce village. C'est pourquoi on m'appelle Madouka le poisson frais. Ah! Hein? Parce que j'ai toujours les meilleurs. Je sais. Cliente, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et tu sais quoi? Emballe-moi le poisson de 2000 naira. Hey! Voilà pourquoi je parlais de toi. Wow. Hein? Ne t'inquiète pas. N'oublie pas de mettre le cadeau. Bien sûr! Je le ferai très bien, ne t'inquiète pas. Tu veux ce qui chauffe ou ce qui est froid? Celui-ci. Je sais. Tu aimes ce qui chauffe. Ma cliente, choisis ce que tu veux. Fais le bon choix. C'est juste pour toi. Uh-huh. Tu peux voir, toi-même juge. Très bien. Ouh, Idiego. Continue de pointer. Celui-ci. Celui-ci? Oui. Oh, ma cliente, tu as cette manie de faire le bon choix. Parce que j'aime le poisson. Celui-ci? Mm-hmm. Tu ressembles même au poisson. Poisson chaud. Du poisson chaud. Mm-hmm. Tu aimes l'autre aussi? J'adore celui-ci. Mm-hmm. Que penses-tu de l'autre aussi? Et tu dois mettre un autre pour moi. Ah, encore un? Oui, encore un autre. Lequel? Fais ton choix. Celui-ci. Hey, ah, tu as finalement pris tous les poissons. J'appelle l'autre aussi, poisson Lamborghini. Ma cliente, juste pour toi, hein? Je t'ajoute ceci, tout ça pour toi. Venez voir, Madouka. Hey, ma cliente des cliente. Juste pour toi. Merci. Oui. Je vais revenir pour acheter plus. Je sais que tu reviendras. Hey, cliente, attendez. Tu ne m'as pas donné de l'argent. Je vais t'apporter l'argent plus tard. Hein, ça a cuit. Et tu me connais, je suis ta fidèle cliente. Sans problème. Hey, ma belle cliente.
Vas-y doucement, savoure le poisson. Hey, elle est très cool et elle aime le poisson. Oh, Joko, poisson frais. Il y a du froid et du chaud. Et du kwegu, eneneba. Régale-toi. C'est vrai, régale-toi. Attends. Et moi, Juma. C'est vraiment délicieux. Merci. Je ne sais même pas ce qui est meilleur. La sauce de maman et votre sauce. À quoi est-ce que tu t'attends, grand-père? Quand tu es le plus grand fermier du village. Exactement. Vous avez encore recommencé. Vous ne pouvez pas cesser de vous vanter. Grand-père, hein? Comment pouvons-nous? Alors que tu étais capable de nous envoyer à l'université avec l'argent que tu as gagné des ventes. Je veux dire, le champ est même plus grand que ce à quoi on s'attend. Exactement. Mes chers, nous remercions Dieu. Dieu merci. Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à ce que moi, Maduka, j'allais ravitailler plusieurs compagnies avec ma production. Tu vois la vie? Mais ça arrive. Rendons merci pour ça. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as choisi de vendre la nourriture au bord de la route alors que tes affaires marchent exactement bien. Toutes mes affaires méritent de l'attention. C'est pour ça que j'aime cela, parce que ça me rapproche des gens. Ok. Et ça me rappelle mes petits débuts. Oh, peu importe ce que tu dis, grand. Je suis juste contente que les choses se passent très bien pour nous. Oh, oui. Et Teresa, cette fille. Ah, je suis sûre qu'elle va regretter de t'avoir quitté. Bien sûr. Ne commence pas. Chizara Mela. Mais papa, c'est vrai. Oui. Ma mère va regretter de nous avoir laissés. Oui. Et je ne la pardonnerai jamais de nous avoir abandonnés. Exactement. Jamais de la vie. Changeons de sujet. Alors, qu'est-ce que vous allez préparer demain? Demain? Tu vas te faire Je vais te faire quelque chose de très délicieux. Grand frère, tu vas Je serai à la maison à l'heure. Et je ne vais rien manger d'ailleurs. C'est moi qui te dis. Je sais. Donc, les achats se font en ligne. Mon mari, tu es rentré. Bienvenue. Sois le bienvenu. Tu ne me présentes pas à ton invité? Je suppose que tu es Teresa, sa nouvelle femme, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je suis Sarah, sa seule et unique épouse légale. Hey, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as très bien entendu. Azui Bouike et moi, nous sommes mariés depuis 3 ans avec 3 enfants. Tu vois ces maisons? Tu vois ces affaires? Et les voitures m'appartiennent toutes. Azui Bouike, de quoi est-ce qu'elle parle? Hein? Azui Bouike, de quoi est-ce qu'elle parle? Maintenant, tu es devenu sourd, n'est-ce pas? Teresa, je suis désolé. Il n'a rien à t'expliquer. Azui Bouike, que voici. Je l'ai ramassé dans la rue. Je l'ai nettoyé. Et je l'ai rendu ce qu'il est aujourd'hui. Alors, hey, tu ne dois rien lui demander. Tu ne connaîtras pas le bonheur, Azui Bouike. Azui Bouike, tu ne connaîtras pas le bonheur. Azui Bouike, tu ne connaîtras pas le bonheur. Dieu va te punir, Azui Bouike. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Attends. J'ai été au courant depuis les États-Unis que mon soi-disant mari avait épousé une nouvelle femme. Azui Bouike, tu es méchant. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Dieu va te punir, Azui Bouike. Dieu va te punir, Azui Bouike. Dieu va te punir. Ça suffit. Quoi, ton nom encore? Teresa, arrête. Laisse mon mari tranquille. Arrête, Dieu ça suffit. Punir, arrête. Vas-y, à l'intérieur, ramasse tes affaires et casse-toi. Tout de suite. Cette maison m'appartient. Je l'ai achetée avec mon argent. Alors tu dois partir.
Dis à cette femme de quitter ma maison. Je ne perds pas. S'il te plaît, de la même façon que tu l'as amenée dans cette maison, dis-lui de partir, s'il te plaît. S'il vous plaît, vous allez sortir de ma maison. Tu ferais mieux de recommencer à parler haut, parce que je n'irai nulle part. J'ai tout perdu par ta faute. Azubike. Je n'irai nulle part. Parle-lui. Dis-lui de libérer ma maison. Je vais te punir pour ce que tu m'as fait. Tu vas voir. On dirait que tu es au pied, je suis. Et je te retombe, j'aime bien ça. Ego, Dego. Ego, Joku. Moi, d'adarna, que. C'est moi qui te dis. Maman. Oh, maman. Teresa, qu'est-ce qui se passe? Je suis foutue, maman. Maman. Oh, Teresa. Maman, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais Teresa, pourquoi est-ce que tu pleures? Parle-nous. Maman, qu'est-ce que tu as, mon bébé? Maman, je suis toi. Attends, laisse-la. Je veux mourir, maman. Calme-toi. Je veux mourir, maman. C'est bon. Maman. Teresa, mais qu'est-ce qui se passe? Parle-nous. Ce n'est pas la fin du monde. Maman, non. C'est bon. Non, maman. Allez, c'est bon. Calme-nous son temps. Allez. C'est non, bon. Tu ne vas pas mourir. Allons, calme-toi. Calme-toi. Allez. Ma fille. Tu devrais vraiment te ressaisir. Tout espoir n'est pas perdu. Maman, maman. Bien sûr que tout espoir est perdu, maman. Par où est-ce que je vais commencer, maman? Vers qui est-ce que je vais me tourner, maman? Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu es en vie. Alors il y a espoir. Maman, il n'y a plus d'espoir, oh. Moi je veux mourir. Je veux mourir. Je ne peux même pas aller chez ma fille. Avec quel courage, avec quelle force, comment est-ce que je vais faire pour la regarder, maman? D'accord. Pour être honnête avec toi, Madoka prend très bien soin d'elle. J'ai appris que son champ est vraiment productif maintenant. Et que... il a beaucoup d'argent. Maman, c'est de ta faute. C'est de ta faute et celle de papa. Si vous ne m'aviez pas mis la pression, je serais toujours mariée à Madoka et je serais heureuse, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, c'est de ta faute. Te pousser à bout comment? Tu es malade? Okini. Je dis... donc c'est moi qui suis maintenant. Oui, maman. Ton mari et toi. Ah, Teresa. Maman. Hey. Maman. Hey. Toi qui chauffais dans tous les sens. Maintenant je me blâme, hein? Maman, Oginagi. Ginagi Kyo. Biko Wak Maka. Laisse-moi tranquille. Maman, je veux rester seule. Pardon. Tu es là, tu passes ton temps à me mettre la pression. Regarde maintenant. Regarde. Maman, Rak Maka. Biko. Qui est là? Oui. Oh, Shidera, tu es là? Comment tu vas? Tout va bien? Je ne vais pas bien. Tu n'as pas pu livrer pour le mariage de ma cousine et j'étais inquiète. J'ai appelé ton numéro toute la journée, mais ça ne passait pas. Ma chère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, accepte mes excuses. Quelque chose m'est arrivé et c'était vraiment une urgence. Ma fille a eu des troubles d'estomac. J'ai été obligé de rester avec elle. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Et ta fille? Tu veux dire que tu as une fille? Oui, j'ai une fille. Tu es mariée. Je... attends. Shidera. Shidera.
qu'ai-je dit de mal? Je n'arrive pas à croire que je sois tombée éperdument amoureuse de lui. Chidera. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es enfui de ma maison, tout à coup. Comme si j'ai dit un truc de mal. Oh mon Dieu, tu pleurais? Tu n'as rien à faire ici. Pourquoi? Mais pourquoi es-tu si en colère? Hein? Je suis énervée parce que je suis amoureuse de toi. Mais tu es mariée. Et tu as une fille. Tu es amoureuse de moi? Oui, Madoka. Je suis amoureuse de toi. Mais ça n'a plus du tout d'importance parce que tu es mariée. Je t'ai mariée, mais ma femme et moi sommes séparés. Je vis avec ma fille depuis 3 ans déjà. Juste nous deux. Tu es sérieux? Oui. Tu en es vraiment sûr? Je te dis la vérité. Tu m'aimes? Je t'aime. Oh mon Dieu! Maman. Oh, Nemo. Chizara, mon bébé. Mon joli bébé. Oui, grand-mère. Maman, Chizara m'a fait peur. Je suis content qu'elle va bien maintenant. J'avais juste mal à l'estomac. Rien de sérieux. Hein? C'était sérieux. Mon pas bébé. Du tout. Ne fais pas attention à ton père. Tu sais qu'il est toujours inquiet pour toi. Ataraka inoakwe manu. Hein? Que fais-tu ici? Tizaram, mon bébé. Teresa, restez loin de ma mère. Non, que fais-tu ici? Tizaram, je demande pardon. Teresa. En tout cas, pardon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Cette malchance. Pardon, malchance. Pardon, ne te fâche plus. Porte ta malchance et repars immédiatement. Oui, c'est vrai, elle a vraiment la poisse. Pardon, s'il vous plaît. Je regrette. Laisse-moi tranquille. S'il vous plaît. Tu n'es plus ma mère. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, arrête ça. Elle revient comme si de rien n'était. C'est quoi le sens de tout ceci? Pardon. Hein, maman? Je ne sais pas, mon fils. Pardon. Comment peux-tu? S'il te plaît, excuse-moi. Ennemi. Sois la bienvenue. Maman. Mon fils. Chizaram. Je voudrais vous présenter Chidera. La femme que je vais épouser. Hey. Celle qui partagera le reste de ma vie. En quoi non, Nyacha? Comment tu vas? Elle a dit comment ouais. Tu je vas bien, maman. Est-ce que tu comprends le non, Igbo? Non, non, Mamo. Mami Warem. Nabiko Sise Moulana. Oh, oh Marie informée, ma fille. Ma. Enfin, Igbo, bonne chance. Ouais. Hein? Oui. Si je t'appelle bonne chance, tu réponds ma. Bonne chance. Ma. Hey. Je t'ai bien dit que ma mère t'aimera. On est pas bon. Hey, maman, sois la bienvenue. Merci, maman. Hey, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de similarités ici. Ah oui. Elle te ressemble. Et ouais. Tu lui ressembles. Il m'a fait ça. Quoi? Je veux 4 garçons de plus. Hein? Maman? On peut aussi qu'il y ait 4 garçons. Sarah peut porter 4 garçons.
4, c'est trop beaucoup. Papa, papa. Un caca à bois aussi. Deux garçons, okay, le parfait équilibre. Ok, 3 garçons et une autre fille. Ça marche. C'est le deal. Ngoua papa, le mi-baby de Océanounou. On ne perd pas le temps. Sois la bienvenue.